Salut à tous, aujourd'hui je reviens de chez Lidl et j'ai acheté une petite sonnette sans fil au prix de 5 euros. Et du coup, c'est pas plus cher qu'ailleurs, c'est même moins cher qu'à Brico Dépôt parce qu'à Brico Dépôt j'en avais une et les premiers prix sont à 10-12 euros, je crois de mémoire, voire peut-être même 15. Donc là, je me suis dit pour 6 euros, on va tester et on verra. Donc je n'ai pas encore ouvert. Hein. Tac. Donc ça se présente comme ça. Tac. Notice. Ah, il y a les piles. Je pensais qu'il n'y avait pas les piles, franchement. Quand j'ai vu le poids, je dis, oh, il manque les piles. Enfin, là, en déballant, mais en fait, si. Apparemment, elles y sont. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Physiquement, c'est ressemblant. Je m'attendais à bien moins bien, à beaucoup moins bien, mais dans une sonnette, on s'en fout. Hein. Là, il y a des boutons. Je sais pas si vous allez voir. Ah voilà. Donc je sais pas à quoi ça sert. Peut-être ça pour faire sonner. On va voir. C'est beau, vous avez vu. Alors, essayons voir déjà ce que ça donne. Ah, je pense que c'est pour sélectionner la sonnerie, mais j'en suis pas sûr, on verra. Le volume. Ça doit être muet, je pense. Voilà, donc après la petite sonnette avec le porte-nom. Donc c'est pas mal. Sur les concurrents, il n'y a pas de porte-nom à ce prix-là. Et ben là, c'est pas évident parce que du coup, c'est une petite. C'est vraiment, en fait, c'est lisse, c'est assez lisse et du coup, on pourra pas mettre grand-chose dedans. Peut-être avec un couteau, peut-être, on va voir. Ouais, d'accord, le petit symbole il est là, j'avais pas vu. Un petit symbole comme quoi ça serait ouvert, mais voilà. Il n'y a rien de marqué, donc Ah, il y a juste marqué un petit moins ici.
Mais c'est pas flagrant, hein, c'est. Ah oui, d'accord. Il faut la rentrer, on va dire comme ça. Comme ça, pour pousser les tétons et après qu'elle revienne. C'est pas le plus logique, mais bon. Ça fait. Ouais, donc c'est pas hyper évident à ouvrir. Ça va que enfin, tout le monde a un couteau, mais bon, c'est. Avec un tournevis, vous pourrez pas l'ouvrir. Enfin, tout est possible, mais. Ah, non, il y a un sens. Vous voyez là, il y a les deux petits tétons, ça va. Là. Bon, est-ce que ça a bien une utilité? Je pense pas. Hein. Ils sont embêtés pour pas grand-chose. Ben, ça a l'air pas mal du tout pour le prix. Ma sonnerie. Il y a même les petites vis fournies pour fixer combien de vis? 1, 2, 3. Alors pourquoi 3? Je ne sais pas. Ah oui, d'accord, 3. Une pour là et deux pour là. Bon, après, moi perso. Bah voilà, c'est pas mal du tout. Donc bah, je vous dirai dans le temps ce que ça donne. Mais pour le prix, franchement, rien à dire, vous pouvez foncer. Bon bah voilà, le test est fini. Salut!